Chers habitants de Font-Romeu, chers acteurs économiques et sociaux de notre station et chers partenaires de notre commune, chers amis, j'aurais aimé vous réunir et vous rencontrer à l'occasion d'une cérémonie de vœux traditionnelle et conviviale. L'épidémie en a décidé autrement. Je m'adresse donc à vous pour vous présenter ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la municipalité, nos vœux de bonne et heureuse année 2022. Après une année blanche, le moteur principal de notre activité économique a été relancé. La station de ski tourne à plein régime et les chiffres de la fréquentation touristique sont les meilleurs jamais réalisés. Notre station se distingue dans le panel pyrénéen et national. J'en profite pour vous annoncer que la délégation de services publics touche à sa fin. Les efforts conjugués des communes de Beaulcaire et de Font-Romeu vont conduire à l'attribution d'une nouvelle délégation de services publics prochainement. Nous poursuivons la restructuration de nos ressources humaines avec l'arrivée de Éric Duhamel, nouveau directeur général des services, Fabien Turel, nouveau directeur des services techniques, et enfin l'arrivée toute récente de Sandrine Verdanet, chargée de communication. Ce travail est indispensable pour rendre un service de qualité et durable aux administrés. À présent, j'aimerais remercier l'équipe municipale, mes adjoints et tous les conseillers municipaux, toujours motivés et à l'écoute des Romeu-Fontains, n'ayant qu'un objectif, le bien commun. Cette année 2022 va concrétiser le début de nos actions en faveur du développement ambitieux et maîtrisé de notre cité, de notre station et d'une qualité de vie toujours meilleure. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.